Yeah, tout le monde sait, c'est parfait, comment vous allez, moi ça va, c'est le premier, on se retrouve pour la troisième partie de Watch Dogs. Et oui, j'aime ce jeu, donc voilà, on se retrouve pour la troisième partie. J'espère vous aussi, ça vous plaît. J'ai une petite mission, donc on va y aller tranquillement. Et sûrement, faut pas que je me fasse repérer par la police, parce qu'il y a une folle de femme qui a les flics. Donc en fait, si je me fais choper par la flic, bah je suis dans rien. Et du coup, on va y aller tranquillement. Et sûrement, bien sûr. Alors, est-ce que je peux piquer une voiture? Vas-y, sors de là. Faites ta voiture, mon ami. Oh non. Oh non. Putain. Ici la police. Quelle est votre urgence, s'il vous plaît? Vous pouvez envoyer la police, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Il faut que vous restiez en ligne. Je suis en police. Putain, et la prochaine fois, je vais vous payer mon paquet. Je te promets, je t'écrase. Pourquoi je peux pas l'écraser? Voilà. Connaisse, c'est ta faute si j'ai flic. Donc ça se passe en bas sur les quais. On peut pas descendre par là les... Ah, je suis bien, j'ai une belle voiture pour une fois. Attention, pas de doigts s'il vous plaît. Comment on descend sans l'équipe plus facilement? Putain! Bouge! Oh là, c'est lui qui me pique la caisse, vous lui cassez les gueules. Yo, il y a des bateaux. Non, le bateau qui est là. Putain, j'ai cru que j'allais mourir. Bon, d'accord, c'est péché ce même. Alors... Où est-ce qu'il est? J'arrête de mater là. Quoi, je suis pas en train de mater? Putain, je me suis fait repérer. Putain, je me suis fait avoir. Bah c'est pas grave, on va aller à la mission de toute façon. Oh là, comment ça va aller plus vite. On va aller ici. Ah là, on y va encore. Ah, destructeur, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est classe. Je sais pas si c'est des sous que je vais voler, mais c'est classe. Quoi la magouille ici? Quoi la magouille? Eh hey mec, t'approches-moi trop de toi. Allez, dégage. Pour votre emblème? Hey, attention! Tu te bats? Vas-y, bats-toi. C'est quoi pour taper? Vas-y, viens, bats-toi. T'es même pas en homme. Fais gaffe, hein, ou je te démonte la tête. Je te la découpe, moi. Mais j'ai le droit de courir, arrêtez, viens. Putain, ça fait long un pied. Mais non, je déconne, j'ai piqué une voiture, bien sûr. Je pique pas déjà la voiture, je l'en prends. Bonjour, salope. Il est où? Ouais, salope. Le gros vent qui a mis. Le piqué celle d'en face. En plus, elle est belle. Hop, 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 on s'arrête. Vous avez vu, moi, je vais pas taper dans les petites voitures. Hein. Putain, tu vois, quoi, t'es musique. Oups. J'ai écrasé un petit globe. J'ai écrasé un petit monsieur. Hop là. Je crois que c'est là que vous avez dit dans la partie 2 qu'il faut être chauffeur de taxi si je me trompe pas. Le mec il voulait juste déposer quelqu'un. Donc on va faire, je crois que c'est ça. Et... de ça, je sais pas, on va aller voir. Démarrer les missions. Conduite accompagnée. Allô. Mais qui est-ce que tu es? Mais ta mère, c'est une bordel. Tout est parti en couille.
t'énerver, mec. Pourquoi il s'énerve? Putain. Allez, grande, dans la voiture, t'as vu. On est bon, marche arrière. Putain, il y a encore les armes qui commencent, gros. On est pas dans les gars. Genre, mec, il est passé très bien. Couche-toi, t'es pas un petit mille. J'ai pas le temps. Je peux te mettre les idées. Centrale, on a le feu vert pour un scan CIOS. On cherche le suspect. Putain. On dit. Ils sont fait avoir. Je les ai bien trollés. Ah non, on y va en sortir le côté. Non, c'est ça. Je sais pas pourquoi ils voulaient me tuer. Ils s'est fait avoir. Juste deux petites minutes, les gens. J'ai besoin de boire. Je fais une petite pause. Donc désolé en fait de les vendre, tu vois. Voilà, j'ai profité de faire un petit stop, mais voilà, j'ai pas coupé la vidéo, etc. En fait, je suis passé à côté des voitures, mais j'ai pas vu c'est un petit con. On va essayer de planquer, on va voir si vous nous trouvez ou pas. La voiture qui existe ici. Est-ce qu'ils vont nous repérer? Je pense pas. C'est risqué. J'ai remis un peu une grosse pluie des gars. Oh putain, ils ont fait un barrage. Puis il rate les feux comme ça je peux emmerder s'il y a des feux qui arrivent, mais comme il est passé dans la rue, ça sert à rien en fait. Ah le pont il est levé. Je sais pas si on peut aller sans pipoir tu sais. Regardez les gens, le pont il est levé, c'est bizarre. Si vous pouvez faire pareil dans GTA, ça doit être vraiment cool. Un peu faire le con.
Donc désolé pour les petites musiques qu'on entend, ça donc je sais pas, j'arrive pas à... On va regarder ça vite fait, attendez. Gameplay. Comment... Audio. Lecteur automatique de la musique. Volume de la musique. Voilà. Déjà j'ai enlevé les vibrations, ça pue. J'espère que t'as une invitation ou t'es mort. Je suis le chauffeur. Putain, c'est pas trop tôt. T'as une caisse, celle-là est défoncée. Les mecs, c'est pas chez une menace, c'est tout, vas-y. Bon voilà, on peut se planquer, c'est cool. Ok. Ah ouais, toi par contre, tu peux en se mettre un peu. Eddie est mort, c'est là-bas. Putain, les flics sont de nulle part. Ça craint. C'est bien le parcours. Et fais gaffe, les flics patrouillent toujours. Tu vas nous tuer avec ton pain. Détends-toi, je bouge là. On fait comme on a dit, putain, je sais ce que je fais. Tu peux te faire des... Putain, ces gens peuvent pas éteindre les lumières. Allez, baisse la tête. Oh putain, ils ont fait des barres. Des renforts se dirigent vers la zone. Je suis pas aveugle. Oh putain, ils ont fait un barrage. Ouais, c'est quoi? Les flics bleus. Putain, mais sur les flics. Les flics, ils ont vu qu'on était... On était repérés par les flics. Fargo. Ouais, je sais, on peut se planquer en faisant juste... Putain, non, il y a un truc là, on peut faire. Tu vas nous tuer avec ton pain. Détends-toi et bouge là. On fait comme on a dit, putain, je sais ce que je fais. Tu peux te faire descendre comme ton pote. Allez, baisse la tête. Le mec qui nous voit, il est bon. Voilà. Putain, je veux voir à quoi ça ressemble sur la map. Ah d'accord, on voit pas, c'est dommage. Bon, voilà. Parle-moi. Commence par te calmer. C'est quoi le plan? Parle-moi. Commence par te calmer. Toute l'île est sous surveillance. On va passer par les petites rues, par les garages, histoire de pas se faire repérer. Si tu vois que je coupe le moteur et les phares, tu la fermes. On est l'air d'une bagnole normale. C'est compris? Ouais. Ok. Putain, mes mains arrêtent pas de trembler. T'as déjà vu quelqu'un se faire tirer dans le bide? Trop souvent. Putain, en plus je connais pas les trucs, c'est chiant. Allez, mais c'est comme si quelque chose, je flippe là. Eddie, il est peut-être encore vivant. Il a reçu une balle dans le ventre. Il paraît que c'est pas trop grave comme endroit. C'est vrai? Ça dépend vraiment de la blessure. Si la balle ressort pas de l'autre côté, il peut y avoir des dégâts internes. Quelque chose de moche. De toute façon, les flics vont vouloir des réponses. En gros, ils vont sûrement escorter ton copain jusqu'à l'hôpital. Eddie, que t'as vu plein de blessures par balle. Il y en a combien qui ont survécu? Survécu? On va déjà essayer de te sortir de là, d'accord? Ça c'est cool les gens parce qu'on peut vraiment se planquer. Oh merde, putain, j'ai buté Eddie! C'est ma faute! J'ai entendu les sirènes et j'ai réagi sans réfléchir. Je me suis dit qu'en le blessant, ça les ralentirait. Mais je visais son bras, putain, je te jure! Putain, il y a une voiture juste devant le garage. Ces types, ils acceptent pas l'échec. Alors maintenant, les flics, au lieu d'un cambrioleur, recherchent un assassin. Tu ne facilites pas les choses. Putain, je suis dans la merde. Grave. Oh, heureux que je te fasse pas. Putain, je suis dans la merde, il y a des voitures de flics là. Et par là aussi, putain. Rien par ici. Et vous, de votre côté? Je crois que je suis grave bon dans rien. Hein.
Pas le choix. Oh putain, c'est chaud comme mission quand même. Faut passer dans une petite moyenne, mais lui, dès que tu rentres dans le garage, c'est parce que je peux pas arriver. Comment tu veux faire? Bon, je pense qu'on va faire juste cette mission là parce que c'est vraiment chaud. Chauffeur de taxi, c'est vraiment plus facile. Il est un peu maquillé quand même. On fait comme on a dit, putain, je sais ce que je fais. Tu peux te faire descendre comme ton pote. Allez, baisse la tête. Tous les ponts du périmètre sont levés sauf celui de West. Des renforts se dirigent vers la zone. Oh putain. Bon alors, c'est quoi le plan? Parle-moi. Commence par te calmer. Toute l'île est sous surveillance. On va passer putain, c'est pas planqué. Par les garages, histoire de pas se faire repérer. Si tu vois que je comprends. Putain, mais non. Tu l'as fait. Oh, je galère à meurtre les gens. C'est vraiment chiant. Quitter la zone de recherche et... Vous pouvez également vous cacher dans le véhicule après. Ok. Faut qu'on quitte le secteur. Il y a un pont qui est pas fermé, c'est dessus là, je pense. Il y a un pont qui est pas... Ah, on va aller là. Eddie est mort, je l'ai laissé là-bas. Putain, les flics sont sortis nulle part. Ça craint. Suis bien le parcours et fais gaffe. Les flics m'attendent toujours. Tu vas nous tuer avec ton parcours. Détends-toi et boucle-la. On fait comme on a dit, putain, je sais ce que je fais. Tu peux te faire descendre comme ton pote. Allez, baisse la tête. J'ai failli faire le con. On va juste faire gaffe un peu, on va juste attendre. Par les garages, histoire de pas se faire repérer. Si tu vois que je coupe le moteur, j'ai l'air d'une bagnole normale. T'as compris? Ouais. Putain, mes mains arrêtent pas de trembler. T'as déjà vu quelqu'un qui s'est tiré dans le bide? Oh putain, on est trop souvent. Bah ouais, mais t'es gueule, là, on peut le faire. Il est peut-être encore vivant. Il a reçu une balle dans le ventre. Il paraît que c'est pas trop grave comme endroit. C'est vrai? Ça dépend vraiment de la blessure. Si la balle ressort pas de l'autre côté, il peut y avoir des dégâts internes. Quelque chose de moche. De toute façon, les flics vont vouloir des réponses. Ou ils vont sûrement escorter ton copain jusqu'à l'hôpital. Tu dis que t'as vu plein de blessures par balle. Il y en a combien qui ont survécu? Survécu? On va déjà essayer de te sortir de là, d'accord? Genre les mecs ils voient une voiture dans la rue, ils vont aller quoi, je sais pas. Moi je vois une voiture dans la rue, j'y vais quoi, parce que tu peux pas savoir, c'était une voiture suspecte. Oh merde, putain, j'ai buté Eddie, c'est ma faute. J'ai entendu les sirènes et j'ai réagi sans réfléchir. Je me suis dit qu'en le blessant, ça les ralentirait. Mais je visais son bras, putain, je te jure. Fallait bien garder de sentir, non? Alors maintenant, ce type, ils acceptent pas l'échec. Alors maintenant, les flics, au lieu d'un cambrioleur, recherchent un assassin. Tu ne facilites pas les choses. Je te tire de là, putain, je suis dans la merde. Grave! Sois heureux que je te fasse pas marcher. Oh putain, non, tais-toi. Mais genre, mais le mec, comment il peut nous voir? Il passe loin. C'est pas possible. Mais genre, je suis en train vraiment saturer. Je commence à galérer. En plus, j'étais parti tout droit, c'était bon. Il faut aller là, en fait, c'était simple.
On a dit, putain, je sais ce que je fais. Tu peux te faire descendre comme ton pote. Allez, baisse la tête. Bien sûr, tous les ponts du périmètre sont levés sauf celui de Wells. Des renforts se dirigent vers la zone. Bon alors, c'est quoi le plan? Parle-moi. Commence par te calmer. Toute l'île est sous surveillance. On va passer par les petites rues, par les garages, histoire de pas se faire repérer. Si tu vois que je coupe le moteur et les phares, tu la fais. Sauf qu'on n'est pas normal. On est l'air d'une bagnole normale. C'est compris? Ouais, ouais. Ok. Putain, mes mains arrêtent pas de trembler. T'as déjà vu quelqu'un se faire tirer dans le bide? Trop souvent. Il est merde, quelque chose, je flippe là. Eddie, il est peut-être encore vivant. Il a reçu une balle dans le ventre. Il paraît que c'est trop grave comme endroit. C'est vrai? Ça dépend vraiment de la blessure. Si la balle recevra de l'autre côté, il peut y avoir des dégâts internes. Quelque chose de moche. Je suis bizarre, les gens. Les flics vont vouloir m'aider. Oh, ils vont sûrement escorter ton copain jusqu'à l'hôpital. Tu dis que t'as vu plein de blessures par balle. Il y en a combien qui ont survécu? Survécu? Oh, on va déjà essayer de te sortir de là. D'accord. Oh merde, putain, j'ai buté Eddie. C'est ma faute. J'ai entendu les sirènes et j'ai réagi sans réfléchir. Je me suis dit qu'en le blessant, ça allait ralentir. Oh. Mais je visais son bras, putain, je te jure. Fallait bien qu'elle ait de sentir, non? Putain, mais non, mais wow. Genre, même l'hélicoptère avec le laser, mais c'est abusé, sérieux. Eh, c'est une prise de tête, le jeu, j'ai envie de vous dire, les gens. Je suis en train de galérer, juste pour ça. Et je vous parie, vous avez mis moins de temps à faire cette mission. C'est casse. Oui, c'est casse-couille. Eddie est mort, j'ai laissé là-bas. Putain, les flics sont sortis de nulle part. Ça craint. Suis bien le parcours et fais gaffe. Les flics m'attendent toujours. Tu vas nous tuer avec nos armes. Oui. On fait comme on a dit, putain, je sais ce que je fais. Tu peux te faire descendre comme ton pote. Pote. Allez, baisse la tête. Bien sûr, tous les ponts du périmètre sont levés sauf celui de Wells. Des renforts se dirigent vers la zone. Bon alors, c'est quoi le plan? Parle-moi. Commence par te calmer. Toute l'île est sous surveillance. On va passer par les petites rues, par les garages, histoire de pas se faire repérer. Si tu vois que je coupe le moteur et les phares, tu la fermes. On est l'air d'une bagnole normale. C'est compris? Ouais, ouais. Ok. Putain, mes mains arrêtent pas de trembler. T'as déjà vu quelqu'un se faire tirer dans le bide? Trop souvent. Il est merde, dis quelque chose, je flippe là. Eddie, il est peut-être encore vivant. Je vais faire un truc, en fait je parle plus depuis la merde, j'essaie de me concentrer, désolé. Je vais essayer de rentrer par le garage et ressortir de côté. Mais c'est pas gagné comme il y a une nourriture de feu ici. Je vais rester concentré, les gens, vous inquiétez pas, si je parle pas, il y a des moments. Ça peut arriver. Depuis tout à l'heure, je parle pas, ça fait déjà faire un coup blanc. Mais j'essaie de rester concentré, je vais vous comprendre. Parce que du coup, moi je galère. D'accord. Et c'est un peu embêtant. Ah putain, il y a une nouvelle charge de Cécile. Merde, putain, j'ai buté Eddie. C'est ma faute. J'ai entendu les sirènes et j'ai réagi sans réfléchir. Je me suis dit qu'en le blessant, ça les ralentirait. Mais je visais son bras, putain, je te jure. Elle est bien cadée de sentir, non? Ah là. Ces types, ils acceptent pas l'échec. Alors maintenant, les flics, au lieu d'un cambrioleur, recherchent un assassin. Ça facilite pas les choses. Ah putain, je suis dans la merde. Croyez, c'est bon, on est sorti. Que je te fasse pas marcher. Allez, on se casse. Oh putain, les gens, je suis content. Vous voyez, ça se paye en français, il ne devrait pas parler. Ça sert de pas parler, des fois. Vous avez compris pourquoi? Au bout de 30 minutes, et bon, allez.
J'ai réussi à sortir d'ici. C'est vraiment pas facile, mais c'est vraiment assez cool. Donc voilà. Bon allez, on va faire passer. Donc bah on a réussi au bout de un bon moment. Et je vais pas faire de vidéo parce que sinon ça va être une vidéo trop longue bien sûr. Vraiment désolé, j'ai vraiment galéré, j'ai vraiment un peu merdé. J'ai envie de vous dire que c'était vraiment long. Bah je suis vraiment un peu désolé si j'ai autant galéré. Mais au moins j'ai réussi à faire ce que je voulais, j'ai réussi à faire. Après la petite vidéo. Donc on va aller juste au magasin de vêtements un peu. Et après bah du coup on va s'arrêter dessus. Bonjour, non disponible. Est-ce que je peux m'acheter des vêtements ou pas? Ouais. Pas sûr que je les ai. Allez voir, c'est le quoi? Ah, c'est une petite rouille d'accord en plus. Bonjour. Ouais bon on va profiter. Ouais. On peut pas rentrer, dommage. Je sais pas si on peut acheter des vêtements. Non, on peut pas acheter de vêtements. Bon, c'est un peu dommage. Bon, bah moi je vous laisse là-dessus les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de vous abonner. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et ciao, bye bye, salut. J'ai quelque chose pour toi. Faut qu'on se voit. Se voir? Genre face à face? Je cherche un mec avec un masque ou...